Parce que vraiment, on sait oh pas trop. Oh la pute de Coupec. C'est une belle salope, c'est une belle pute. Regarde-moi ça, cette belle pute. Je me la présente au marché. Regarde-moi ça, cette belle pute. Regarde-moi ça. Non pas 300, non pas 200, mais juste 100 euros, mesdames, messieurs. Cette belle pute. Voilà, on a une team où on devrait aisément win. Bon, on est les best. Alors, serez-vous retrouvé parmi les 5 le moins gradé? Oh putain, mais la gueule que j'ai! D'avoir un badge bleu. Ah, la gueule! Je vais me faire défoncer en fait. Toi, t'as vraiment le rang où on insulte les gens, genre on dit c'est un silver. Comment on peut tomber aussi bas? Un manque d'entraînement et manque de talent. Aucun talent naturel et aucun entraînement. Link, à la fin de ce match, sera petit A, premier du classement, petit B, deuxième du classement, petit C, troisième du classement, petit D, quatrième du classement, et enfin, dernier du classement. Eh, hey, pourquoi ils me font tous des TK là? Eh, hey, je vais... Eh, hey, je vais péter un... Eh hey Eh, hey, mais... Eh, mais c'est un... Viens, on va l'ours aveugle. Ils sont incroyablement chiants, parce qu'ils arrivent, ils sont pas de crise d'adolescence. Vous êtes des salopes. Oh putain, vous êtes des putes, je vous réinviterai jamais. Bon, de grosse merde. Hello team. Salut. Vos gueules. Regarde, c'est un peu des youtubeurs. Oh, c'est marrant, ton USP il s'appelle victime confirmée. T'es une victime confirmée. Alors, on était dans le classement, pas mal, toujours deuxième, tu confirmes ta position. Ouais, c'est bon. Ours aveugle, confirme la sienne. First blood. J'entends des gros coups de pompe au loin. On dirait Machete. Clippé, bande de salope. C'est Dieu qui avait son doigt sur ma gâchette. Pourquoi on fait pas des LAN en fait, vu qu'on est des monstres? Ah, t'oublies qu'on est quand même allé à Colmar. Mais non, bon. En plus de mon Colmar, il me fait rire. Pour moi, Colmar, ça fait du saucisson, tu vois. C'est pas un truc où tu fais de l'âne. Colmar. Colmar, ça fait non beauf un peu. La grosse LAN Fortnite, t'as Colmar. Voilà, Colmar. J'habite à Colmar. Bah, qu'est-ce que ça me fout? C'est toujours pareil, hein. Fait toujours du saucisson en fait. Bah, GG pour le saucisson, mais c'est pareil en fait. Il y a un lobby de Colmar, quoi. C'est un truc de ouf, comment tout le monde s'indique. T'es qui pour parler de Colmar? Colmar, meilleure ville de France. À mon Colmar, avis. Colmar, meilleure ville de France. Oh! Il a joué comme le Renoir là! Mais clippez-moi ça! Et qui a déjà mis de la crème anglaise sur son sexe en attendant que son chien va le lécher? Sûr que ça marche. Pour les chats, faut mettre de la pâtée. De la bonne pâtée. Sa préférée, hein. Un peu d'herbe à chat dans le troufion. Qui dépasse. Une petite touffe. Un peu d'herbachat dans le tronc. Oh non, c'est ma bombe. Enculé là. Non, c'est celui qui fait le kill qui a la bombe. Bande de salope là. C'est une règle. Allez, simple. Pouh, il y en a forcément un qui meurt. Un des trois, peu importe. Il y a deux chats chez moi, il y en a un, il est vraiment en train de lécher le troufion de l'autre quoi. Waouh, c'est insane. Il lui refait l'anus. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut parler du plaisir prostatique chez les félins? Des fois, une de mes chattes, elle fourre sa truffe dans le fion de l'autre. Voilà. Non mais ouais, je sais pas d'où ça vient, mais ça a l'air d'être super. En vrai, j'aimerais trop qu'on me le fasse. C'est parti comme une lettre à la poste, cette petite remarque là. Ça tombera pas dans l'oreille d'une sourde. D'une sourde. Le mec, il voit ses deux chattes, il est... Oh la chance. Du coup après il se met à quatre pattes le fion à l'air. En espérant qu'il y a un chat qui vient lui faire. Ah. Super ce rush. Putain, j'étais tout seul, c'est vraiment des enculés hein, avec leur ballon. Ouais, j'étais vraiment, j'étais à côté de toi mais t'es parti tout seul alors que ça c'était censé être un rush. S'ils perdent ce round, c'est des gros fils de pute. Oh bah ils vont le perdre. Mais ils font un best-of ou pas là? Bah ils font un gros best-of en fait qui va durer 40 minutes, donc il faut vachement de matière, tu vois. Du contenu quoi. Ouais, hey, la passe. On retourne. La c'est passe. À nous maintenant d'être des stars. Yes, regardez, c'est nous qui maîtrisons cette chaîne. Allez, c'est fini. Vous voulez faire un rush mid en passant par le voir tunnel? C'est pas la peine de faire genre tu t'impliques dans la partie. Ok, bon. Du coup, il est parti tout seul. Il est tout seul dans son tunnel. Oh, ils se sont présentés à toi, c'était parfait. Il t'en reste plus qu'un, cette dernière. Non ! Putain, il lui restait 22 HP, je vais tout retirer, je suis vraiment un connard. Et donc du coup, le classement final, là... Oh non, le silver premier. Le plus important, c'est l'équipe.
Oui. C'est bien une phrase de loser. Oh, oh, je suis passé Nova 2. Putain, j'ai remis mon froc debout dans mon PC et pendant un moment je me suis dit attends, t'as la cam. Et en fait, je l'avais pas. J'ai eu un petit coup de flip. En plus, là, c'est que t'aurais ta bite sur internet plus banni Twitch. Ah oh, ouais, de ouf. Oh, c'est nul, tu sais. T'as la honte. Double et en peine. Plus, bah, au revoir. Est-ce que vous voulez un gâche téton pour le dernier? Oh putain. Ok, c'est validé, gâche téton pour le dernier Twitter. Aïe aïe aïe. La dernière fois que j'ai regardé mon téton, je l'ai trouvé vraiment pas beau quoi. Moi c'est bon, vu que j'ai perdu une fois, au pire je vais juste reposte la photo. J'ai une petite couronne de poils dégueulasse là. Mais moi elle est... ça fait une vague mais que d'un côté. Mais quoi? Alors là non. Y a, même si là je mets pas de téton. Alors là t'es quoi? Je mets rien. Ah là non, alors là non. Alors là non, ça va, ça suffit. Ouais. Fly, si t'arrives à remonter, c'est bien qui monte ton téton. Non mais le problème c'est qu'ils vont jamais B en note, fait. Il est Flynote, ah, il est mineur. Mon téton, hein. Mon téton il est dégueu hein, tu préviens. Un téton mineur. Attends, y'a qui peut dire ouais mon téton il est stylé. Ouais c'est de la merde le téton. Non mais c'est déloyal ce concours. En fait le truc c'est que sans déconner y'a personne B en fait. Non mais tous les rounds je dois rush et c'est pas possible en fait ce concours. Moi je vais laisser le B tout seul, je vous jure. Prochain round je m'en vais. Ouais mais si tu t'en vas et qu'ils arrivent. C'est mort de chez mort cette histoire. Mais non mais moi je... Voilà, c'est juste un mec qui décale à la WAP en fait, c'est que ça mon taf, ma vie. Ouais. Oh. Oh, ça c'est, oh, c'est nul. Oh, c'est très nul. Oh. Oh là là. Mais non. Oh là là. Oh. Oh là 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 là. Oh là là. Oh. Oh la cata. Oh la cata. Oh la catastrophe. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, oh, j'en ai vu des mives, mais alors là... Oh là là. Écoutez, ma mère, on rush tous, B, tous. Ouais. Oh, oh. Là, tu mets tes deux tétons et ton gland. Ah, oh, ça me tilt. Tu sais quoi, je vais la poster maintenant, ça m'a cassé les couilles. Oh, quoi? Ah okay. D'accord, ils ont rushé. Ouais. Tu fais dernier? Deuxième. Ça y est, plus de tétons. Ah c'est Fly qui monte son gros sein là. C'est bizarre, ça. Son gros nibar là. Mais attends, j'ai fait être dernier là. Oh là, fais attention à toi, on est à 15. Est-ce que tu peux TK Fly, comme ça il peut pas faire de kill et toi t'es obligatoirement pas dernier. Ce serait complètement déloyal. Fly il a la bombe, s'il pose la bombe et qu'il fait un kill t'es dead. Flynote il a fait un kill. Oh non putain, oh non. S'il vous plaît perdez le round, s'il vous plaît. Oh, non mais coupez qui me streama, qui va savoir où je passe, merde. Ouais voilà, regarde, mais tu vois. Yes, le téton. Allez Faye, c'est parti, direction téton Twitter. Et vite hein, on a pas trop le temps. Allez hop, téton Lord. Ah il est allé vite. On dirait il a envoyé une nude. Oh il a un demi-cercle, genre les poils font pas le tour. Ça me rappelle le joueur de foot qui a envoyé à une meuf, monte ton trou du cul. Putain cette phrase. Montre ton trou du cul, ça m'a fait pleurer de rire. Bon évidemment on remet en jeu un nouveau téton puisque les seuls possibles de perdants sont Link et Heather. Donc si Link ou Heather se retrouvent dans le classement... En fait c'est qui de Link ou Heather devra prendre en photo son téton. Celui qui est devant l'autre ne le fait pas. Toi c'est parce que tu l'as déjà fait. Ouais j'étais sur Twitter. Bah moi. Laisse tomber que je vais le retweeter. Alors là si je le perds, là, je le retweet à balle. Oh putain, oh, il est fou. Il est fou lui. Il est fou lui. C'est pas drôle les tétons parier l'anus. Ah putain mais bordel. T'imagines le truc horrible, genre tweeter son anus. Oh l'enfer, mettre son anus sur Twitter, c'est chaud. Oh, Merlu qui propose une photo du nez vu du dessous à celui qui perd. Non, vous allez tricher, vous allez vous décroter de pif en prendre la photo. Alors qu'un bon téton, tu peux rien y faire s'il est vache. C'est vrai qu'un téton c'est brut. C'est... Putain! J'ai lu l'urètre tout à l'heure, c'est vrai que l'urètre c'est très propre. Au pire c'est un truc pas dégueu, tu photographies ton urètre mais tu sais tu détours. Tu laisses juste la fente. Du coup on voit rien mais voilà c'est bien mon urètre. Mais tout le monde sait que c'est l'urètre. C'est vrai qu'il envoie un nude sur Twitter et il s'en bat les couilles en fait puisque c'est son urètre détouré. Personne comprend ce que c'est trop... alors que c'est un c'est gros urètre. C'est trop drôle. Putain. Il a l'urètre en sueur. Donc toi t'es où dans le classement? Aïe. Bah, je suis pas bien du tout. Aïe aïe aïe, je connais une fente qui doit être bien visible. Faut l'avoir bien détouré hein. Mais y'a pas moyen, je détourne vraiment le trou quoi. Genre ah oui, y'a pas de... C'est pas genre un bout de ton truc, genre c'est vraiment t'es au plus profond du truc concerné quoi, c'est juste ça.
Comme l'œil de Sauron, tu vois. Mais attends, du coup, si on est passé sur le red, pourquoi il y a que Aizor et moi qui jouons? Parce que vous êtes les seuls qui n'avaient pas encore une photo. Ah, donc en fait, dans ce jeu-là, tout le monde perd un jour, quoi. Oui, le but c'est que tout le monde perde un jour minimum. On joue pour perdre, en fait. Je trouve qu'on a décidé. Au pire, on devrait tous publier une photo de notre red directement, non? Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, on gagne du temps. Trop fermé. Aizor, t'es au courant que tu dois montrer ton red si tu perds? En fait, il veut juste la montrer, cet exif de merde. Ouais, grave, il est trop chaud pour faire 0 kill. Mais putain, mais aussi, il joue comme des grosses merdes! Oh! Oh! Mérité! Ce réflexe de Galilée! Attention! Oh! Magnifique! La dernière marche! Devant Aizor, incroyable! Il va poser la bombe! Mais quel fils de pute! Il va poser. Vas-y, c'est bon, il m'a saoulé! C'est vraiment une petite salope de stratège! Pense déjà à l'angle de la photo que tu vas prendre! Tu sais que des gens vont probablement se toucher sur cette urette! Mais là sur Insta, essaye de battre le record de l'œuf! Combien de likes pour mon urette? Après, tu vois des articles dans le journal, cette photo mystérieuse bat des records de likes! 49-49, c'est tendu! Hein. C'est fou ce concours! Sinon, t'as perdu! Non! Oh non! Les deux, les tétons! On est égalité, ça fait quoi? Bah non! T'es dans le classement, t'es en dessous de lui! Non, non! C'est quoi, mais non! Les deux, on voit des tétons, hein! Mais non, ça, c'est pas le classement qui joue! Bah, si. C'est le classement qui joue. Mais non, ouais, non, c'est n'importe quoi. Comment tu veux te départager? T'as pas le choix, c'est non, le classement. Non mais Jack, le jeu était injuste. J'arrive même pas à faire la mise au point, putain. La photo, ça détecte un visage. La photo, c'est genre le truc le plus horrible que j'ai jamais fait. 12 seconds later. Ah, ça a zoomé de ouf dessus, c'est horrible. Elle est bien la photo en vrai. Oh, mec, c'est plus détaillé que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire? Je sais pas, ça se devine. Attends. Est-ce que ça s'apprécie? Je crois que je vais la laisser comme ça. Ah, tu veux faire un carré? T'es chaud? Je pensais que t'allais faire un rectangle. J'hésite grave. Hein. Le but, c'est qu'on puisse pas savoir ce que c'est, attention. Hein. Oui, je sais, mais là, on peut pas savoir, en vrai. Mais je comprends même pas ce que c'est. C'est un trou, mec. Non, mais attends. On dirait une sonde qui a été dans l'espace et qui envoie une photo. Mais de toutes ces anomalies, la plus marquante est celle-ci, aux abords de Saturne. Une perturbation de l'espace-temps. Est-ce que c'est un trou de verre? C'est la face cachée de la Lune. Non mais attends, il y a un problème avec la forme là. Ah mais si besoin, je t'enverrai la photo originale. Hein. On dirait la tache de naissance de Jean-Luc Reichmann. Ouvre ton urètre, tu vas voir ce que ça fait. Comment on fait pour l'ouvrir? Bah tu pinces. Tu vois maintenant? Oui.